Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Le voilà. Voilà celui qui m'empêche d'être votre fiancée parce que je suis la sienne. Soit que je vive, soit que je meure, je ne serai jamais que l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien avant de vous connaître, chère Néel, j'avais fait serment d'être à lui et j'avais prononcé mes vœux. Faux feu. Oui, mes vœux. Ah, vous êtes bien pour moi comme un frère, puisque je vous dis ce que je cache même à mon père. Je suis carmélite. Vous n'imaginez pas une carmélite hors de son cloître, mon cher Néel. Calixte, que me dites-vous là? Mais est-ce possible? Oui. Je suis carmélite. Et je vis au Quesnay près de mon père. Et je ne porte pas l'habit de l'ordre. Et j'ai encore sur ce corps désormais consacré à la mortification et à la pénitence les livrées de ce monde auquel j'ai renoncé pour jamais. Une chose si nouvelle, si extraordinaire, vous paraît incompréhensible. Mais elle n'en est pas moins, mon ami. L'Église a accepté ma foi et m'a fait participer au mérite de ceux qu'elle enchaîne dans les lieux sacrés, mais elle n'a pas voulu me séparer de mon père, croyant dans sa sublime intelligence et dans sa sublime charité que je pourrais mieux, en restant près de lui, le ramener à Dieu et sauver son âme. C'est dans un cloître, Calixte, qui vous accueillera un jour. Je n'y pénétrerai qu'après la mort de mon père, ou bien le jour consolant qui le verra changé et reprenant les vêtements de son sacerdoce. Jusque-là, j'ai la consigne sacrée de ne pas abandonner mon poste de dévouement et de sacrifice. Calixte, vous êtes trop grande pour moi, trop sainte. Néel. Oh, chère Néel. Comme vous souffrez. Mais voilà celui qui apaise la souffrance. Voilà celui qui m'a bien souvent consolée et qui vous fera m'aimer seulement comme une sœur. Oh, si vous priez avec moi, chère Néel, voulez-vous? Si nous partageons tout, partageons aussi la prière. Venez. Sur ce prie-Dieu où je m'agenouille toujours seule, il y a, en nous pressant un peu, place pour deux. Elle rangea les plis de sa robe, prit place sur le prie-Dieu, et il s'agenouilla pieusement à ses côtés. Et de cette voix qui fend des larmes, elle pria pour lui, pour elle, et encore pour son père, pour lequel elle priait toujours. Et Néel est perdue de l'entendre, est perdue de sentir la tiédeur de cette chaste épaule contre la sienne. Néel, la tête plongée dans ses deux mains, ne priait pas, ne pouvait pas prier, mais l'écoutait ravie et se suspendait à elle, au fond de son cœur en extase. Soudain, elle lui releva doucement le front, comme l'aurait fait une vraie sœur. N'est-ce pas que déjà vous souffrez moins? Et son souffle, involontairement, effleura les cheveux du jeune homme. Il allait lui répondre oui, car elle l'avait calmé. Mais ce petit souffle de la bouche aimée lui injecta le front de feu. Il ne vit plus rien, la terre tourna. Il la prit dans ses deux bras, puis, éperdu, il s'enfuit.
en sortant du quenet, en proie à une véritable fièvre d'amour et de désespoir, le jeune homme n'osa pas rentrer à Néou, où il devait retrouver l'irritation paternelle. Il se dirigea vers Taillepied, chez cette malgaigne qui lui avait prédit que son amour pour Calixte Sombreval serait son malheur et sa perte, mais qui, de toutes les infortunes, et pis que la mort même, ne lui avait pas prédit la plus grande, le malheur de n'être pas aimé. Quand il arriva à Taillepied, on ne voyait plus son chemin devant soi. La barrière du clos qui entourait la maison de la malgaigne était entrouverte. Il s'approcha. Et une voix qu'il ne pouvait méconnaître, car elle avait la vibration de l'orgue dans ses basses profondes, résonna tout à coup et prononça le nom de Calixte. Non, la malgaigne, Calixte n'a rien à craindre de ce que tu crains. L'avantage de paria comme nous est de pouvoir vivre comme il nous convient, sans que le monde ait rien à y voir. Le monde et nous sommes trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir réciproquement nous blesser. Mais si ses enfants allaient s'aimer... Tant mieux! C'est déjà fait, du moins pour l'un des deux. Le jeune Néou aime Calixte. Et qui ne l'aimerait, l'adorable enfant? Mais Calixte, elle est trop pure et trop parfaite pour aimer personne sur cette terre. Et l'on dirait que tu le regrettes, Jean. Et cependant, si elle l'aimait comme il l'aime, car il l'aime, tu l'as bien vu, ce serait un malheur pour tous les deux. Et pourquoi? Pourquoi donc? Si elle l'aimait, je la lui donnerais. Je n'attends que cela, la malgaigne. J'irai le chercher jusqu'à Néou, jusque dans les bras de son père, et je le lui rapporterai. Comme la première fois qu'elle le vit, je le lui rapportai sans connaissance et l'étendis devant elle sur le mur du quenet. Oui, je lui donnerais, pour qu'elle fût heureuse d'abord. Et ensuite, qui sait, guérie. La nature cache ses secrets que la science veut apprendre en vain et qui la défie. Quand il s'agit de cette machine nerveuse qu'on appelle la femme, qui sait l'influence que pourrait avoir ce grand fait physiologique du mariage? Dans une foule de cas, ça a été un remède. Eh bien... Calixte épouserait Néel et serait peut-être sauvé. Épouser Néel de Néou? Encore ton orgueil, Jean. Les Néou ne sont pas faits pour les Sombreval. De l'orgueil, j'en peux avoir comme un autre homme? Je n'ai pas celui que tu crois, ma vieille mère. Je sais aussi bien que toi la distance qu'il y a entre les Néou, l'honneur et la puissance de la presqu'île depuis des siècles, et des vestes rousses, des rien du tout, comme les Sombreval. Mais l'observation m'a appris aussi la force de la passion dans certaines créatures. Et j'ai vu du premier coup d'œil ses effets dans ce jeune Néel. Il est d'un sang par sa mère, où l'impétuosité du désir touche à la folie et il tient beaucoup d'elle, comme tous les enfants amoureusement faits. Un jour, vieille malgaigne, dans le pays de cette Polonaise, mère du jeune Néou, on a vu un roi donner son plus beau régiment de dragons pour 12 vases de porcelaine, et ce n'était pas le plus fou de son royaume. Il aimait les vases, voilà tout. Calixte est un vase qui contient tous les nectars de la vie. Pour l'avoir, Néel de Néou donnerait sa race, son blason, son nom, tout ce qui est bien plus pour lui que l'existence. Si Calixte était à ce prix. Tu le ferais maudire de son père. Tu l'as été du tien, Jean. Pfff. C'est assez comme cela. Tu es trop père toi-même, Jeannotin, pour ne pas savoir ce que pèse la malédiction paternelle sur le cœur d'un homme. Et tu ne voudrais pas la faire porter. Oui. Ils disent que mon père m'a maudit. Tu y étais, toi, et tu le sais, tu l'as entendu. Tu n'as pu l'empêcher, ma pauvre malgaigne. Mais c'était un homme dur, absolu, un cœur de chêne plutôt qu'un cœur d'homme, un vrai paysan. Il aimait son morceau de terre plus que moi. Je n'ai jamais cru au père qui maudisse. Et à quoi crois-tu donc, Sombreval? Je crois à moi! Je crois à ce qu'il y a là-dedans! Voilà mon orgueil!
Tu sais combien je suis fort et violent, la Malgaigne. Et pourtant, je ne pourrai jamais maudire Calixte. M'eût-elle poignardé de douleur. La vieille femme se tut. Vaincue par cet homme d'une vigueur physique et morale exceptionnelle, qui confessait la divine faiblesse des mères, cette tendresse infatigable à l'indulgence, à la pitié et au pardon. Les yeux de Néel, quand il avait entendu les paroles de Sombreval, se remplirent de larmes. Pour le jeune amoureux de Calixte, cette tendresse transfigurait Sombreval. Aussi, quand le châtelain Duquesnay sortit de la bijoute de la Malgaigne, Néel saisit-il la large main qui s'était posée sur le poteau de la barrière pour l'ouvrir et la porta-t-il involontairement à ses lèvres. Oh, monsieur, monsieur, c'est moi. Oh, pardonnez-moi, j'étais là, j'ai écouté, j'ai tout entendu. Vous savez donc que je suis favorable à votre projet, mais me baiser la main, c'est trop d'honneur pour la patte d'un vieil ours. C'est sur la main de ma fille que vous devez me remercier. Accompagnez-moi, voulez-vous ? Bien volontiers. Je vous dois un aveu, monsieur. Oui. J'ai dit aujourd'hui même à Calixte que je l'aimais. Mais je suis au désespoir parce que elle m'a dit qu'elle ne partageait pas mon sentiment. Elle me l'a dit aussi, mais elle. Car j'ai cherché à vous faire aimer, moi. J'ai, depuis que Calixte est au monde, pétri cette tête, pétri ce cœur. Hélas. Y mettre de l'amour pour un beau jeune homme est plus difficile que d'y mettre la vie. Ce problème, cet effort de mes derniers jours. Oui, j'aurais voulu qu'elle vous aimât. Vous êtes un de ceux contre qui pourrait s'appuyer ma pauvre fillette avant que je ne m'en aille pourrir un de ces soirs dans la vallée. Je serais sûr de l'avoir laissée entre les mains d'un homme véritable qui saurait la défendre. Il semble que vous et elle soyez de la même race. Vous, un gentilhomme, elle, une paysanne, mais il y a des individualités qui valent des races, peut-être parce qu'elles sont faites pour en fonder. Le mariage que je rêvais entre vous et Calixte n'aurait donc pas été physiologiquement une mésalliance. Je le souhaitais peut-être aussi ardemment que vous, jeune homme. Car j'aime Calixte avec une passion paternelle plus grande que la vôtre en abnégation et pour le moins aussi grande en intensité. Ce mariage, espoir de ma vieillesse, je lui ai souvent dit que je le désirais. Vous le lui avez dit? Mais oui, monsieur de Néou. Bien des fois, lorsque vous nous aviez quittés, je l'ai prise sur mes genoux, comme on y prend son enfant souffrante, et j'ai tourné et retourné dans mes deux mains ce cœur où je vous cherchais. Je lui parlais de vous. Mais mon éloquence, mes précautions, tout était inutile. Elle ne se troublait pas. J'étais comme un sorcier vaincu par ses propres sortilèges. J'avais beau souffler sur la glace de ce cœur limpide, votre image n'y apparaissait pas. Et pourtant, j'ai la conviction qu'un amoureux reviendrait à bout de la maladie nerveuse dont souffre Calixte, qui la rend si pâle, et la tient des jours entiers inanimée à l'état de cadavre. Cette maladie venue d'une cause morale, un sentiment pouvait l'emporter. Mes élixirs, toute ma chimie n'y feront rien, je le crains. Je le répète, seul un homme qu'elle aimerait. Elle vous a dit non, comme à moi. Hélas. Et ce refus me torture à tel point qu'on finira par me trouver un jour brûlé vif et en cendres sur le brasier de mon fourneau. Et le savez-vous, Néel, pourquoi elle me résiste et me désespère? Pourquoi elle ne vous aime pas, vous qui l'adorez? Pourquoi elle ne veut pas guérir d'une maladie qui peut me la tuer? Pourquoi elle se complaît dans ces souffrances sans nom que je sens dans ma propre chair et qui déchirent la sienne? C'est qu'elle aime son Dieu plus que nous, monsieur de Néou. C'est qu'elle me croit un grand coupable parce que... Vous savez bien pourquoi. Vous connaissez bien ce que je suis, ce que Sombreval a été. C'est qu'elle veut souffrir pour son père.
expier ce qu'elle croit un crime, racheter ce qu'elle appelle son âme, illusion qui dévore sa vie. Cela est sublime pour elle, pour moi ce n'est qu'insensé. Nous sommes sacrifiés à une chimère. Nous avons, vous pour rival et moi pour ennemi, le dieu de la croix, le dieu de Calixte. Oh, monsieur Sombreval, c'est vous qui un jour l'avez dit. Calixte est une sainte. Son dieu est le mien, ce dieu n'est pas l'ennemi des hommes. Ce sont les hommes plutôt qui sont ses ennemis. Je m'attendais à ce que vous me répondiez cela, Néel. Croyez à Dieu. La foi que vous avez, je l'ai eue. Et vous la perdrez. Mais je... Ce n'est pas toujours nous, voyez-vous, qui tuons l'idée de Dieu dans nos âmes. Elle y tombe d'elle-même, comme les choses tombent en nous, hors de nous, partout, émiettées, dissoutes, anéanties. Moi qui vous parle, monsieur Néel, c'est au pied de l'autel, c'est à l'autel même que le doute et l'incrédulité se sont dressés devant moi, obstinément. J'ai longtemps prié Dieu de me délivrer de ses obsessions. Il ne l'a pas voulu. Il ne le pouvait pas. J'ai été jaloux du prêtre de Bolsen, à qui l'hostie saigna dans les mains, et je souhaitais toujours que ma foi ébranlée se raffermît dans la terreur d'un tel miracle. Mais la goutte de sang que je demandais pour y noyer cet athéisme qui envahissait ma raison n'a jamais rougi la table de l'innocent sacrifice. Et c'est alors que, là d'attendre, j'ai renversé ce calice dans lequel il n'y avait plus que des fluides de la terre que je pouvais décomposer sans y trouver Dieu. L'homme qui a fait cela, Néel, pensait bien avoir mis cette grande illusion de Dieu hors de sa vie. Et elle y revient. Elle y revient cependant pour se venger des mépris de ma raison, me frappant comme un être réel, comme une main de chair, dans mes entrailles. La religion foulée aux pieds a trouvé moyen de me rendre coup pour coup cette blessure. Ce rocher de Golgotha qui pèse sur le monde et que je croyais avoir rejeté de ma vie comme un joug brisé, y retombe. Et c'est la main de mon enfant qui le fait rouler sur mon cœur. Sombreval s'arrêta. Mais elle se taisait. Il se taisait par respect pour ce Laocoon étrange, souffrant pour son enfant et qu'il voulait sauver. À toutes les impiétés qu'il venait d'entendre, Néel savait la réponse à faire, mais il ne la faisait pas. Il avait pitié de cette douleur de père, soudée à sa propre douleur. Ils furent longtemps sans rien se dire, mais comme ils entraient par la petite lande qu'on appelait la lande aux rompus, la lune se leva tout à coup sur le bois d'en face et se mit à écailler d'argent les tuiles bleues du quenet qu'ils apercevaient sous leurs pieds. Voilà donc où elle vit, notre espérance. Et il étendit sa large main vers le château, où, sous les persiennes fermées à tous les étages, il aperçut soudain des clartés mobiles, pour un autre que lui, imperceptible à cette distance, car Néel, avec ses jeunes yeux, ne les voyait pas. Calix était certainement plus mal. Elle aura ce soir une de ces crises. Je vois des lumières qui vont et qui viennent à travers les appartements. Prenons nos jambes à notre cou, monsieur Néel. Il est temps que nous arrivions. Ils n'ouvriront pas, monsieur. Eh bien, ouvrons-nous. Allez, pesez avec moi contre la porte. Sombreval et Néel tombèrent comme la foudre au milieu des gens de la ferme au moment où un des domestiques du château soulevait Calixte, inanimé, l'air d'une morte. Vous
C'est donc ainsi, Herpin, que vous veillez sur votre maîtresse, quand je n'y suis pas. Ce n'est pas notre faute. Non. Monsieur, il faut vous en prendre au bon Dieu, qui envoie à votre fille des maladies comme on n'en verra jamais. Bon, bah, tais-toi, je t'en prie. Que s'est-il passé? Ah, notre maître, nous l'avons trouvé sans connaissance entre les deux portes de sa chambre et du salon. Ouais. Nous l'avons couché, nous attendant un de ses évanouissements qu'il apprenne parfois. Oh. Mais à notre grand saisissement, elle se dressa sur ses jambes et nous repoussant d'un bras, descendit dans le jardin avec des mouvements de somnambule. Oh, j'en suis encore toute retournée d'avoir vu cette femme qui tombe du haut mal avec les yeux blancs et l'écume aux lèvres. Oui. Elle s'en allait droit devant elle, sans qu'on eût besoin de lui crier casse-cou au tournant du rond des allées. Tout à coup, monsieur, elle s'est affaissée, comme si on lui eût fauché les deux pieds d'un revers de fou. Bon, bah, aidez-moi à la porter sur son lit. Et allez-vous-en. Doucement, monsieur. Doucement. Si vous avez besoin de quelque chose, monsieur, appelez-nous. Éclairez-nous. Doucement.